Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Parole de paix. Parole de paix, c'est un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion au sujet des conflits, des guerres et de leur préparation et de la paix et de ses conditions. Parole de paix, c'est un magazine hebdomadaire sur RCN Radio Caraïbes Nancy 90.7. C'est tous les vendredis de 17h à 18h et rediffusé le dimanche de 18h à 19h. On peut aussi bien sûr retrouver le podcast sur rcn-radio.org ainsi que la chaîne YouTube RCN Nancy. Voilà, je peux peut-être dire aussi que notre magazine Parole de paix est un projet collectif. Il est co-animé par le mouvement de l'objection de conscience, l'association Survie Lorraine, l'association France-Palestine Solidarité, l'association de solidarité avec le peuple sahraoui, l'Union juive française pour la paix, Une autre voie juive, les éditions Kérios, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et la Ligue des droits de l'homme. Donc ça fait un certain nombre d'associations qui construisent cette émission. Pour faire réfléchir, une émission militante, une émission pour tous, pour réfléchir sur des sujets qui bien souvent sont confisqués par des experts qu'on voit à la télévision, toujours les mêmes. Cette semaine, nous allons parler, le dossier ça sera sur le Printemps de la Palestine. Le Printemps de la Palestine, c'est un festival qui a lieu tous les ans depuis 2010. On va en parler, ça sera le gros du sujet. Donc ça se passe à Nancy. Donc des actions, des sorties, des concerts dont on va parler tout à l'heure dans le dossier. Et on commence peut-être par des brèves. Les uns les autres, qui a des quelques brèves à diffuser? Les jeunes d'abord. Merci. Donc Fares, alors peut-être qu'on s'est pas présenté. Faut se présenter. Cette semaine nous avons Fares de l'association Survie. Et Lorraine. Patrice Clis, ancien président de l'AFPS, est venu spécialement pour le dossier et il était souvent sur l'émission de radio. Donc, bonjour à tous. Yves est aussi avec nous. Yves. Oui. Alors, bonjour. Yves du mouvement Une autre voie juive et de l'UJFP, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, nous avons aussi Alain, qui est le président de l'AFPS, l'Association de France-Palestine Solidarité. Et puis, moi-même, Stéphane, pour le mouvement de l'objection de conscience. Et donc, on enchaîne tout de suite avec les brèves. Et Fares nous parle un peu de ce qui s'est passé le 3 février dernier. C'est donc, nous avons appris donc que l'aviation française stationnée au Tchad avait bombardé des positions, à plusieurs reprises, il y a eu au moins cinq raids contre des colonnes de rebelles tchadiens. Donc c'est au Tchad ? C'est au Tchad, voilà. Cette intervention a été confirmée par l'état-major français, mais qui a dit qu'il y avait eu des dégâts matériels et humains, sans préciser le nombre de victimes. Et le pouvoir politique a entériné cette action en disant qu'il n'y avait pas grand-chose à y redire, ce qui est de notre point de vue très surprenant parce que c'est une ingérence dans une situation qui est tchado-tchadienne. L'armée française est venue en appui au pouvoir d'Idriss Déby. Donc un dictateur, il faut appeler les choses par leur nom. Oui, on peut dire dictateur. Un des dictateurs africains. Oui. Un des dictateurs africains, et si vous voulez, on le savait déjà, ça s'était déjà produit par le passé. La France engage à la demande des autorités tchadiennes la force armée pour suppléer ce que l'armée tchadienne ne peut pas faire. En fait, nous avons même certaines informations selon lesquelles l'armée tchadienne n'est pas nécessairement opposée à l'intervention des rebelles. C'est pour dire à quel point le régime de Idriss Déby est détesté par une partie de la population au Tchad. Et dans ce contexte-là, intervenir militairement, c'est un appui politique
qui est clair, qui est sans faille et qui est un véritable aveuglement idéologique. Donc ce ne serait pas, comme les médias nous disent, nos interventions au Tchad pour lutter contre le terrorisme, contre le djihadisme. C'est l'argument qu'a avancé Idriss Déby en faisant effectivement référence à la rébellion comme issue de forces terroristes. Effectivement, il met en avant que les rebelles sont venus du sud de la Libye et que voilà, ça suffit pour les qualifier à ses yeux de terroristes. Alors qu'il n'en est rien. Moi, les documents que j'ai pu lire ou les articles que j'ai pu lire, apparemment, cette rébellion au pouvoir dictatorial de Idriss Déby, elle est surtout menée par deux frères, des jumeaux, qui sont des neveux d'Idriss Déby, voilà, lui-même, et qui n'ont rien à voir avec le djihadisme. Donc la France est venue bombarder ses opposants, ce qui se passe dans ce pays-là. Donc, après, est-ce qu'on va aller bombarder tous les opposants de toutes les dictatures voilà, c'est la question. C'est un peu ce qu'on fait quand même. C'est un peu ce qu'on fait. Oui. sauf erreur de ma part, Fares, Idriss Déby, il a été mis en place, encouragé, soutenu par la France depuis le départ. Par la France et les USA, exactement. Oui, oui. D'accord. C'est assez extraordinaire quand on voit, par exemple, ce qui se passe pour le Venezuela, où on est en train d'expliquer que un président élu, on peut discuter des conditions dans lesquelles il est élu, mais en tous les cas, il a été élu, n'est pas digne de rester en place. Un type poussé par les États-Unis se présente, on peut prendre sa place. Mais alors, par contre, dans les autres pays où il y a des dictatures, quand ça arrange la France, par exemple, on les maintient. On les maintient. Alors, et là, on ne parle pas de démocratie, d'état de droit. Tout ça, ça a disparu complètement. Donc ça pose un problème de valeur, un problème politique, bien sûr, à mon sens. Et la non-ingérence. Ouais. Et puis également, peut-être pour nos auditeurs, aussi une question de coût, parce que c'est quand même en notre nom et avec l'argent public. Ouais. Moi, dire que quand il s'agit de frapper un pays et d'y balancer des missiles SCALP à 850 000 euros pièce avec des rafales, moi, celle-là, ce n'était pas des rafales, c'était des mirages, je crois. Mais un rafale, c'est 40 000 euros de l'heure. On ne parle pas on parle pas de la dette, on ne parle pas des économies à consentir. Oui, mais parce que c'est pour montrer que ça marche bien et pour pouvoir en vendre d'autres. D'accord. Donc c'est des démonstrations. Donc on bombarde des enfants pour ça. Et les Israéliens font ça très bien à Gaza. Oui. Très bien. Moi, j'aurais une deuxième brève rapide. Dire aussi que Amnesty International a déterré une nouvelle enquête, a sorti une nouvelle enquête pour nous dire que des armes françaises qu'on a vendues aux Émirats Arabes Unis sont un peu parties un peu dans la nature et qu'elles sont dans les mains de milices au Yémen qui font des actes horribles, voilà, donc dans les mains de milices coupables de violations des droits humains et du droit international humanitaire au Yémen. Oui. Donc, alors, il n'y a pas que la France qui vend des armes aux États, mais on est quand même dans les premiers, je crois, premier ou deuxième vendeur d'armes aux Émirats Arabes Unis. Donc voilà, moi, j'invite les auditeurs à aller voir un peu sur le site d'Amnesty sur cette question-là. Oui. C'est vrai qu'il y a eu une discussion il n'y a pas longtemps, hein, quelques semaines, quelques jours, où la France s'est défendue en disant qu'il n'était pas question pour elle de vendre des armes qui seraient utilisées contre des populations civiles au Yémen. Sauf que ça, c'est ce qui se passe pour le premier marché. Mais après, comme tu viens de le dire, les armes, il y en a certaines qui disparaissent et on ne sait pas trop où elles vont. Et là, évidemment, mais la France n'est pas responsable de non, ça. Non, bien sûr. Je vous rappelle que ça sera le thème de l'émission prochaine, la semaine prochaine. On parlera de est-ce que la France a une part de responsabilité sur les horreurs qui se passent au Yémen, dans un silence assez assourdissant des médias français d'ailleurs. Et on aura Hélène Leger qui sera avec nous pour parler de cette question-là. Parce qu'il y a eu des événements quand même extrêmement fâcheux dans le passé, puisqu'à une période, les pays occidentaux ont vendu des armes à l'Irak, dont Saddam Hussein s'est servi contre son peuple. Et puis après, on a dit « Oh, il est vraiment très méchant, Saddam Hussein ». Et donc, on a mis, l'Irak à feu et à sang. Et maintenant, c'est un pays qui est retourné au Moyen-Âge. On pourrait parler de la Libye. Oui. Hein, avec la dispersion des armes françaises. La Syrie. La Syrie, oui. L'Afghanistan et tout, enfin tout le secteur. Donc ça sera
à l'ordre du jour de la prochaine émission, messieurs, parce qu'on n'est que des hommes aujourd'hui. Yves, tu avais... Est-ce qu'il faut quand même intervenir cette semaine sur la question de la recrudescence de l'antisémitisme en France, quand même. C'est, oui. C'est le sujet. Oui, peut-être que ça ne vous a pas échappé, mais il y a effectivement en ce moment une poussée antisémite qui se développe en France et qu'on attache notamment au mouvement des Gilets jaunes. Alors là, je pense qu'on pourrait discuter là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est à prendre avec des pincettes. En réalité, c'est vrai que j'entendais quelqu'un qui disait à la télévision hier quelque chose qui n'est pas faux, c'est que vous savez que l'image des Juifs, c'est toujours les bourgeois qui ont plein d'argent, etc. Et il se trouve que dans le mouvement des Gilets jaunes, ce sont des gens qui se plaignent de ne pas avoir les moyens, de vivre en grande difficulté financière, d'être assaillis de partout, d'être couverts de dettes, etc. et de ne pas réussir à s'en sortir. Et du coup, ceux qui jouent avec l'antisémitisme, ont beau jeu de dire, bah, vous voyez bien ce qu'on vous dit, hein, ceux qui ont du fric, c'est les Juifs, alors tout ça, c'est de leur faute. Et, et ça, c'est quelque chose qui alimente la polémique et qui peut avoir des poussées. Ce qu'il faut voir dans l'antisémitisme, en fait, il y a plusieurs types d'antisémitisme. Il y a celui des néo-nazis, qui sont anciens, ceux-là, ils ont un pois chiche dans la calebasse et ils ont, je pense qu'à la limite, ils savent à peine ce que c'est que le nazisme. Et donc, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Je ne suis pas sûr qu'on puisse discuter avec des gens comme ça. Je pense qu'il faut les prendre par un pied puis attendre qu'ils se dessèchent. Mais il y a aussi qui alimente l'antisémitisme. Et donc, curieusement, on n'en parle pas du tout. C'est quand même la politique israélienne à l'égard des Palestiniens qui génère un sentiment d'injustice extrêmement grave. Et c'est vrai que, notamment les Français d'origine maghrébine, mais pas que, ils pensent que les Juifs ils sont complices de cette situation. Et il y a quelque chose qui est encore plus grave dans un contexte comme celui-là, c'est que moi j'avais écrit une note il y a quelques années qui n'avait intéressé que moi-même, c'est dommage, mais j'avais essayé d'expliquer que la politique du gouvernement israélien, elle a intérêt au développement de l'antisémitisme partout dans le monde, notamment en France. Pourquoi ? Parce que face à de l'antisémitisme, les Juifs ont peur. Et ça, moi, je me suis quand même fait traiter de sale juif quand j'étais gosse et tout. C'était pas particulièrement rigolo. On m'accusait d'avoir tué le bon Dieu, par exemple. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement inquiétant pour les Juifs. Et par rapport à ça, ils ont deux attitudes possibles. Ou bien ils ne veulent pas bouger de la France, mais ils veulent développer la puissance d'Israël parce qu'ils continuent à penser ce qu'on me disait quand j'étais jeune, adolescent et jeune, adulte, qu'Israël, c'est le meilleur rempart contre l'antisémitisme. Et donc, ils donnent de l'argent à Israël, notamment pour financer Tsahal, l'armée israélienne. Ça, c'est la première réaction des Juifs qui ont peur. Et la deuxième réaction, qui est peut-être encore plus terrible, c'est qu'il y en a qui font leur valise et ils font ce qu'on appelle leur alia. Et à partir du moment où vous êtes juif, eh bien, vous avez la porte ouverte en Israël, vous pouvez y aller. Vous restez, un an, deux ans, trois ans à Tel Aviv ou à Jérusalem-Ouest ou dans ce coin-là. Et puis après, vous touchez des aides par le gouvernement israélien pour aller vous installer dans les colonies illégales israéliennes en Palestine. Ça veut dire que l'antisémitisme qui sévit dans nos pays, j'ai entendu ce matin qu'il y avait une flambée en Allemagne également, l'antisémitisme qui sévit dans nos pays, eh bien, c'est le peuple palestinien directement qui en paye l'addition. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même épouvantable. Et là, on sera amené sans doute à en parler tout à l'heure. Il y a le problème de l'Eurovision, qui est quand même un scandale absolu,
puisque on est à Tel Aviv, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière de Gaza, où dans les derniers mois, là, il y a eu 200, 250 jeunes entre 15 et 25 ans qui ont été assassinés par les SS israéliens. Et il y a eu plus de 1000 blessés, dont plusieurs centaines resteront handicapés à vie. Et ça a été fait exprès, parce que le raisonnement, c'est de dire, bah, s'ils sont handicapés, ils ne nous emmerderont plus. Voilà. Et donc, avec un beau fusil qui a été avec des balles spéciales, qui a été vendu à Eurosatory la dernière fois. Enfin, voilà. Donc, le problème par rapport à Eurovision, c'est que du coup, chez les Français, ils vont se dire, bah, c'est pas le moment d'aller dire du mal d'Israël, donc tant pis, ils font bah, l'Eurovision là-bas, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est dramatiquement grave, quoi. Voilà. Et qui va nous passer complètement au-dessus de la tête. Mais c'est vrai qu'on se disait aussi avant l'émission que Parole de Paix et toutes les organisations qui le composent, je pense parler en tous, on condamne tous l'antisémitisme qui est quelque chose de grave et qui totalement. À ne pas confondre avec l'antisionisme. De ce point de vue, pour que les choses soient claires, parce qu'il y a tout un débat qui a été créé en France, y compris malheureusement lancé par un ancien Premier ministre, assimilant le combat contre le gouvernement israélien et son régime d'emprisonnement, de colonisation, d'apartheid, de racisme. D'assimiler ce combat à de l'antisémitisme. Et de ce point de vue, moi, je voudrais dire que l'AFPS condamne fermement, totalement, toute forme de racisme et d'antisémitisme. Et de manipulation. Voilà. Oui, et alors, de manipulation, parce que là, on est au cœur de ça, quoi. Et d'ailleurs, on avait envisagé, mais peut-être qu'on aura dans les semaines qui viennent, une émission autour de cette question. Oui. Est-ce qu'il est possible de critiquer Israël sans être traité d'antisémite? C'est ça. Ouais. J'essaye de monter ça avec l'UJFP et l'UAVJ. J'ai leur accord à tous les deux. J'ai un petit problème technique là parce que je ne sais pas comment on va faire. Il faut qu'on voie avec le technicien parce que c'est compliqué à mon âge. Moi, je ne sais pas. Peut-être pour accélérer un petit peu, moi j'ai une dernière brève. Et puis après, comme ça, on pourra passer au dossier de la semaine. Le 11 février, donc c'est tout récent, le 11 février à 23h, l'Assemblée nationale a adopté une proposition du député Ciotti, l'article 2. Un intellectuel. Voilà. L'article dit ceci. La présence de l'emblème national de la République française, le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, du drapeau européen, ainsi que des paroles du refrain de l'hymne national est obligatoire dans chacune des salles de classe, des établissements du premier et du second degré, public ou privé sous contrat. Donc ça veut dire que si... Donc après, il y a la navette au Sénat, mais on voit qu'on est toujours dans cette réactionnaire identitaire. Les thèses de l'extrême droite infusent bien partout. Et on n'est pas loin. On n'est pas loin dans chaque salle de classe, donc de la maternelle à la terminale, dans chaque salle de classe, d'avoir des drapeaux à l'intérieur des classes. Et puis, comme aux États-Unis, peut-être que bientôt, on nous demandera de nous lever et de faire une levée au drapeau chaque matin. Et c'est un petit peu... On se dit aussi comment les enseignants de maternelle qui vont être obligés d'afficher sur leur mur « Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons ». Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce sang impur sur les murs des écoles maternelles et comment... On est toujours dans une espèce de confusion, où on mélange absolument tout, le terrorisme, la nation, la perte des repères, la perte du vivre ensemble. Et puis on se dit, si on met des drapeaux, si on met les gens au pas, c'est ça la solution. Et où en sont rendus nos élus, parce qu'ils ont été élus. Service national universel, on en parlait il y a quelques semaines. On essaie de répondre à une vision fantasmée de c'était mieux avant, qu'on était tous ensemble, il y avait un creuset national. On voit qu'il y a des inégalités qui se creusent, on voit que notre pays se déchire sur certains points.
Et je ne suis pas sûr, en tout cas en militant au MOC, je ne suis pas sûr que des idées nationalistes, chères à l'extrême droite, hein, le programme d'éducation du Front National se déroule au fur et à mesure, hein, sous nos yeux. Il est quasiment inexistant. Ouais. Enfin, ce que moi j'ai pu en lire à une époque, c'est rien. Hein. Voilà. C'est quelques vagues directions, ça s'arrête là. Et ben Blanquer, on y va à fond. Voilà. Donc nous, on voulait un petit peu dire, voilà où va, comment on utilise encore l'école. Des choses. La question, c'est que ce qui est extrêmement grave, c'est qu'on voit qu'en France, on est touché aussi par ça, alors qu'il y a une vague dans le monde d'ultranationalisme qui fait en sorte qu'on regarde l'autre comme un danger, comme un problème. Et au contraire, de se dire qu'on a une vraie richesse et que quand on vit tous ensemble, on s'apporte les uns les autres et que ça, c'est quelque chose qui permet de faire avancer la société. Et certainement pas de se replier sur des notions ultranationalistes. Oui. Et puis ça revient aussi à autre chose, c'est-à-dire ça pose le problème de l'identité nationale. Et l'identité nationale, telle qu'elle est définie donc, par la droite et par l'extrême droite, je veux dire, c'est quelque chose qui est statique. Une identité nationale, par définition, on a des données démographiques, on a des gens qui viennent, on a des gens qui vont. Donc l'identité nationale, elle se modifie dans le temps, quoi. Donc ça ne veut rien dire du tout. On pense à une espèce de passé mythique, donc, comme tu disais auparavant, où tout aurait été bien, où tout fonctionnait, alors que ça n'a jamais existé. Une société, elle est faite de contradictions, et son identité, elle bouge avec le temps et avec les gens. Yves, tu voulais intervenir. Oui, cette espèce de sectorisation géographique là, à laquelle nous assistons, vous remarquerez, c'est diamétralement l'inverse de la démarche de la construction européenne. À une époque. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on cherchait à rapprocher les peuples, à faire en sorte que, puisqu'il y avait des problèmes qui étaient communs à tous, eh bien, on va se mettre ensemble pour les régler. Et en ce moment, on fait comme notre ami Dingo Trump, on construit des murs. Voilà. On se crispe de tous les côtés. Ouais. Ou comme l'État d'Israël, avec le mur de la Palestine. Il faut aller le voir, hein, celui-là, il vaut le déplacement. Hein. Ça, c'est quand même problématique pour l'avenir. Est-ce que on a fait des brèves assez longues finalement ? Est-ce qu'on fait notre première pause musicale pour parler du sujet de la semaine qui est quand même le printemps de la Palestine, ouais. Ce festival. Donc vous avez choisi un groupe qui sera à Nancy ? Oui, c'est un groupe qui sera à Nancy. Donc là, vous allez avoir le plaisir d'entendre donc un morceau du trio Basma. Et le trio Basma, donc est passé d'une formation de trio à une formation de quintette. Il a changé de nom au passage. Donc maintenant, ça s'appelle Shems, le soleil, qui est déjà donc tout un programme musical. Et on aura l'occasion, on va en parler, de l'avoir au printemps de la Palestine. Et là, de l'entendre. الأرضي قبل مرور السيوف
على جسده حولوه إلى مائدة مررت على الأرض قبل مرور السيوف على جسد إلى أمها أعيد السماء إلى أمها حين تبكي السماء على أمها أعيد السماء إلى أمها حين تبكي السماء Parole de paix sur RCN. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur rcn-radio.org et sur la chaîne YouTube de RCN Nancy. On a fait des brèves assez sombres, moi, assez sombres, parce que souvent l'actualité est sombre. Et là, le dossier de ce mois-ci, c'est enfin un dossier sur. Un peu de gaieté. Un peu ouais, de l'ouverture, de fraternité, de découverte ouais. de la Palestine, du peuple palestinien, parce que vous nous proposez l'AFPS et puis un certain nombre d'associations, je crois que vous les citerez, proposent tous les ans un festival. Alors vous allez nous dire quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, et puis qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce festival Présent à la Palestine 2019. Voilà, on a beaucoup de choses à dire. Ce festival culturel du printemps de la Palestine va démarrer le samedi 16 mars et il terminera donc le samedi 30 mars. Donc deux semaines de festival. Cette année, donc, on en est 2019, on en est à la 9e édition, c'est-à-dire que le festival, on a eu la chance de pouvoir le démarrer donc en 2011, et puis ça s'est vraiment bonifié au fur et à mesure. C'est-à-dire, par exemple, en termes donc d'affluence au festival, la première année, on l'a vraiment monté avec les moyens du bord, parce qu'on avait vraiment très, très peu de moyens, donc on a dû accueillir à peu près 500 personnes. La deuxième année, on était déjà donc à une affluence de 2000 personnes, et là, maintenant, depuis la 3e édition, toute affluence cumulée, on est à peu près à 1500 personnes. Donc là, c'est intéressant parce que c'est un festival aussi, le Printemps de la Palestine, qui s'est vraiment, qui fait véritablement partie donc, du paysage des festivals de Nancy. Et on a l'avantage aussi, festival le Printemps de la Palestine, d'être aussi un des premiers, quoi. Donc ça permet aussi aux gens donc, de dégager du temps. Voilà. Donc c'est un festival. Alors ce festival, on n'a pas seulement l'AFPS qui travaille, mais on a cette année donc 11 associations. On a évidemment donc l'association France-Palestine Solidarité. On a aussi la TMF, c'est l'association des travailleurs maghrébins de France. Le CLID, le Centre Lorrain d'Information pour le Développement. Le CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, Terre solidaire, Ramsa, le MAN aussi, le Mouvement pour une alternative non violente, le Mouvement pour la paix, Réponse, le Secours catholique,
donc l'Union des Juifs Françaises pour la Paix, et l'UAVJ, une autre voie juive. Exactement. Voilà. Donc c'est... Et le festival va se dérouler, parce que tu disais tout à l'heure, sur Nancy, pas seulement sur Nancy. Hein. Non. Parce qu'on est à la fois à Vendeuvre, Saint-Dié, Tomblaine, Villers. Pendant les 9 soirées, 9 initiatives, 9 moments forts qui vont se dérouler dans cet ensemble de villes. Entre le 16 mars et le 30 mars. Et donc, toute l'année, vous construisez un festival et vous proposez des choses variées, à la fois divertissantes, à la fois de connaissances et également de débats, non ? Oui, c'est-à-dire qu'on offre aux spectateurs à la fois donc des spectacles, ça peut être du théâtre. En fait, cette année, on n'aura pas de théâtre, mais on aura de la musique en tout cas. Donc aussi donc des débats, donc on fait venir des conférenciers ou des conférencières, des expositions, donc là on va en reparler aussi cette année, donc on propose 2 expositions, donc une à Saint-Dié et une à la Maison de l'Année à Villers, des concerts évidemment. Des projections de films, c'est-à-dire qu'au début, lorsqu'on a travaillé sur le festival, on a essayé de trouver une structure qui soit à la fois donc ouverte, qui soit souple et qui permet aussi de montrer que, en ce qui concerne la culture palestinienne, bah donc, elle ne se limite pas donc à l'actualité qui est souvent véritablement terrible, mais qu'à côté de ça, c'est complètement ouvert et qu'on a une véritable vie culturelle en Palestine. Et que la Palestine, ce n'est pas seulement donc de la misère, les morts à Gaza et tout ça, mais c'est un véritable peuple qui a envie de vivre et c'est un peuple qui est joyeux, contrairement à ce qu'on pense. Et une culture qui n'est souvent pas assez connue, effectivement, extrêmement riche. Alors, tu disais tout à l'heure, l'actualité, nos brèves étaient graves. Et souvent, l'actualité de la Palestine est grave et dramatique. Mais en même temps, autour de ce festival, ce qu'on veut montrer, c'est justement un peuple qui a une culture extrêmement riche dans plein de domaines, que ce soit la chanson, que ce soit la poésie, que ce soit la littérature, la gastronomie, et un peuple effectivement joyeux qui fait la fête, frappant quand on accueillant. Est en Palestine, accueillant. Très accueillant. Voilà. Et quand on est en Palestine, hein, oui, ce qui est absolument. Assez frappant, c'est de voir comment ils ont le sourire alors qu'ils vivent des choses dramatiques. Des choses très dures. Et justement, moi, puisqu'on parle de ça, moi je veux dire quand même que j'ai une expérience personnelle là-dessus. Je suis allé 3 fois en Palestine et jamais je ne me suis caché du fait que j'étais d'origine juive, j'étais juif. Et jamais une seule fois, je n'ai eu une réflexion désagréable ou quoi que ce soit. Au contraire, j'étais toujours très bien accueilli, très fraternellement. Et venir dire que les Palestiniens sont antisémites, c'est tout simplement une manipulation. Voilà. Donc moi, j'ai vécu, pour de vrai, absolument le contraire. Quoi. Voilà. Et donc, évidemment, ils font un peu la gueule par rapport à la politique sioniste. Hein. Ça, c'est... Quand vous voyez qu'il y a 500 000 colons illégaux israéliens en Palestine, qui se comportent souvent comme des porcs. Moi, j'ai quand même vu sur un mur à Hébron un tag qui disait « Palestinians to the gas chambers ». Ça veut dire les Palestiniens à la chambre à gaz. Et quand vous dites « c'est un juif qui a écrit ça », il y a quand même de quoi se les prendre et se les mordre. Hein, quand même. Ah ouais. Se prendre et se les mordre. Dernièrement, il y a eu des morts, justement, par des colons dans un village à côté d'une colonie où ils ont tiré sur les gens, quoi. On voit des gosses de 16-17 ans pas l'armée, qui se baladent avec le M16 en bandoulière. Ouais. Enfin, bon, mais donc, on veut montrer, dans le festival, on veut montrer aussi ce qu'est c'est réellement ça. La Palestine, et avec un visage souriant, parce qu'on aura des temps de fête. Également, il y a les conférences, il y a les expos, mais il y a des repas, il y a des soirées repas, des soirées, des temps de fête également. Voilà. C'est vraiment un bon moment culturel et tout. Là, on va présenter effectivement ce qu'est la culture palestinienne, parce que nonobstant ce que disent certains, il existe une véritable culture palestinienne. Et moi, je voudrais, on a parlé quand même des partenariats avec les communes, là. Je ne veux pas qu'on oublie de les remercier, ces communes qui travaillent avec nous. Hein, même la ville de Nancy, il faut qu'on remercie notre ami Franck Pilser, qui est tellement charmant avec nous.
Et non, je déconne. Il y a une private joke que je comprends pas là. Mais... oui, non, c'est entre Yves et... Non, mais sérieusement, non, faut remercier, c'est vrai que tu as raison. Les communes nous soutiennent et nous apportent des moyens. La ville de, sans la les commune. Communes, on ne pourrait pas le faire. Ah voilà. Non, ça serait effectivement totalement impossible. Qui vous aide alors? On a beaucoup de monde. On est à la commune de Vendeuvre, voilà, qui nous donne vraiment un très gros coup de main. La commune de Tomblaine, la commune de Nancy et les conseils départementaux de Meurthe-et-Moselle, des Vosges. On travaille aussi avec le CAMEO, l'Institut culturel franco-palestinien et la revue Politiste. Et ça, c'est des partenariats qui existent en fait depuis quasiment 10 ans. Quoi. Donc, c'est des sponsors institutionnels pour la plupart, mais qui ont toujours montré une très, très grande fidélité dans le soutien, à notre festival. Ouais. Là. Très bien. Et donc, c'est un festival qui est ouvert à tous, aux familles. Ah oui, totalement ouvert. Voilà. C'est grand public. Ouais. Voilà, on va balayer un peu les différents temps, mais vous verrez que c'est vraiment ouvert au grand public. Quoi. Voilà, parce que ce qu'on nous dit, les gens qui participent au festival, ce qu'ils nous disent toujours, ils nous disent, ben voilà votre festival. Donc, bon, alors on s'intéresse plus ou moins à telle ou telle chose. Bon, ça, c'est les problèmes donc, de goût personnel. Par contre, ce qui ressort du festival, c'est vraiment le côté chaleureux, convivial et sympathique. Les gens, voilà. Et puis, ce qui est aussi intéressant, ce n'est pas seulement ce qu'on voit ou ce qu'on va écouter. Ce qui est intéressant, c'est aussi tout ce qui se fait un peu en off, c'est-à-dire tous les débats, les discussions qu'il y a entre les gens. Et pendant 2 semaines, on va parler de la Palestine, pas seulement des malheurs de la Palestine et des Palestiniens, mais on va parler aussi d'espoir, d'avenir et de projet. Ça, c'est important. Oui. Moi, j'ai un souvenir, une anecdote... qui est extraordinaire pour moi, c'est que on avait fait venir pour la Dabke, oui. Danse traditionnelle palestinienne qui est très très jolie, hein. Et je vais m'y mettre aussi moi. C'est très énergique. Il y a un atelier là, tiens, voilà, tu vas pouvoir. Oui, j'enverrai la Nicole. Et donc moi, j'avais servi de guide au groupe de jeunes Palestiniens qui sont venus nous présenter ça. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement savoureux pour moi, en tant que juif, quoi, de montrer la Plastane, l'ensemble 18e et tout ça, la ville vieille, à des Palestiniens. Vraiment, moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. D'ailleurs, je crois que ça leur avait plu à eux aussi. D'ailleurs, ils ont envoyé, il n'y a pas longtemps, un mot... pour dire qu'il y a une conférence intéressante à l'Institut du monde arabe prochainement. Je vais essayer de retrouver ça, je vous le dirai tout à l'heure. Eh ben, donc voilà. Est-ce que là, on va prendre un peu le temps de dérouler le programme dans les détails? Est-ce qu'on rentre par les thématiques cinéma, culture ou est-ce qu'on rentre par les jours? Dans l'ordre des dates. Oui, dans l'ordre des dates. Hein, alors, on commence le 16. Hein, 16 mars. Le 16 mars, là on est à Nancy, place Maginot, c'est traditionnellement notre temps de lancement du printemps, avec tout un après-midi où il y a différentes choses qui vont se dérouler. Alors des spectacles qui vont ouvrir le festival, hein, danse hip-hop, danse africaine, des musiques, fanfare, rap, pop-rock, punk, hein, sur la place. Oui, oui. Voilà, des graffeurs et des calligraphes qui vont venir faire faire des œuvres, hein, sur place. Voilà. Il y aura un stand enfant également, hein, pour les enfants pourront faire des coloriages et des puzzles. Et il y aura un stand où on vendra des produits palestiniens. Alors bien sûr, traditionnellement, l'huile, les dattes, mais aussi plein d'autres produits palestiniens, des épices, etc. Un stand presse pour débattre, pour échanger. Et donc voilà, tout ça se déroule sur la place Maginot. Donc le samedi, c'est un samedi, donc tout le monde peut venir. Ouais. Un samedi après-midi, c'est ça? Oui, c'est le samedi après-midi. Samedi 16 mars. Ouais. Et on démarre à 14h, on termine place à 18h. Voilà, il y a 4 heures d'animation. Voilà, c'est totalement gratuit. Oui, il y a un peu de spectacle. Donc. Même les gens qui ne connaissent rien aux problèmes palestiniens ou à la Palestine, qui vont faire leurs courses, peuvent s'arrêter. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. Boire un thé, boire un café. Ouais. On fait aussi une excellente, pour les amateurs et les amatrices, une excellente soupe aux lentilles qui a beaucoup
beaucoup de succès chaque année. Donc, vu qu'en général, au mois de mars, bon, on passe un peu entre les gouttes. Il fait pas toujours chaud. Se dire, bon, la soupe est bienvenue. Et le prix n'est pas prohibitif en plus. Quoi. Voilà, c'est un prix associatif. Et qu'on soit bien clair, il ne s'agit pas d'un engagement politique de la part du public. Ce n'est pas parce qu'ils vont venir Place Mage ou dans une conférence ou voir une expo photo que ça veut dire qu'ils sont d'office avec nous et qu'ils deviennent antisionistes. On n'est pas engagé. Au lendemain. Non, on est engagé c'est pas comme du tout un engagement c'est, politique. C'est, hein. C'est de l'information. Une prise de connaissance de la culture et du peuple palestinien. Oui, hein. C'est une information citoyenne. Dans sa diversité. Donc un début, pas en fanfare aussi. En fanfare, oui, en musique. Justement. Le samedi 16 mars, l'après-midi, à partir de 14h. Oui, oui, 14h à 18h, Place Maginot à Nancy. De nombreux ateliers pour petits et grands. Et donc, déjà, on invite les auditeurs à venir voir un petit bout du festival ou le lancement du festival le samedi 16 mars à 14h, Place Maginot. C'est très sympa. Ouais. On a toujours des réactions positives. Après, on a plusieurs expositions, mais on en a une exposition photo qui va se dérouler à Villers-les-Nancy au domaine de l'année du 18 au 29 mars. Et avec un temps fort où on invite les auditeurs à venir, s'ils le souhaitent, hein, un vernissage de l'exposition le mardi 19. Bien sûr, il y a un coup à boire, mais ça va se dérouler autour d'un buffet qui est super chaque année, qui est c'est vraiment de cuisine palestinienne. Et le lieu est magnifique. Hein, qui est préparé par l'association Réponse, le buffet. Et pour et puis en ce qui concerne cette exposition, ça s'appelle De la Terre Sainte à la Palestine, et c'est tout un travail qui a été fait donc par un photographe de nos amis qui s'appelle Serge Nègre et qui était déjà intervenu donc les années précédentes aussi dans le cadre du festival. Alors cette photo-là, donc cette expo de photographie, elle est très intéressante parce que la technique qui est utilisée, c'est la technique de la chronophotofusion. Donc qu'a fait Serge Nègre? D'abord, il faut savoir qu'il va régulièrement donc en Palestine, et puis il travaille, je crois, avec le Fonds national de photos palestinien. C'est l'équivalent de ce qui existe sur Nancy, sauf que là, l'objectif de cette institution, c'est de récupérer tout ce qui a existé comme photo auparavant, depuis que la photo existe, pour garder des traces historiques donc, de la Palestine. Et cette technique de la chronophotofusion, elle est assez simple. Par exemple, on va prendre donc une photo d'un endroit précis, par exemple de Bethléem ou de Jérusalem. Ça correspond à des photos couleur sépia, noir et blanc, qui datent de fin 19e, début 20e siècle. Et ce qu'a fait Serge Nègre, donc au millimètre près, il a posé sa caméra devant le même lieu et vous avez la photo en surimpression, donc avec des passages qui sont en couleur sépia et d'autres passages en couleur. Et c'est une photographie. Magnifique. C'est magnifique, magnifique. Je veux dire, ça vaut vraiment le coup de l'avoir. Donc ça sera à 18h. Et donc, À 18h, je te coupe. Donc ce sera à l'année. Maison de l'année. Maison de l'année, c'est à Villers-les-Nancy. Le vernissage, c'est le mardi 19 mars à 18h. Voilà, à 18h. Et l'exposition, alors, donc on invite les auditeurs à venir à ce vernissage qui a l'air d'être très sympathique. Et à goûter le buffet qui est excellent. Et l'exposition, elle va courir après, on pourra... deux semaines, on pourra se rendre dans le... Il n'y a aucun plus, moment. En plus, c'est vrai qu'Yves disait, mais le lieu est magnifique. C'est un double plaisir l'année, pour les yeux. C'est l'ancien... grand séminaire de Nancy. D'accord, à Villers-les-Nancy. Et les horaires d'ouverture, ça sera... C'est les horaires d'ouverture normales, donc je pense que ça va être ouvert à partir, parce que c'est un lieu qui accueille beaucoup de séminaires, donc je pense de 8h à 18h, normalement il n'y a aucun problème à l'avoir. On peut l'avoir à n'importe quel moment, et c'est situé dans le hall, donc il n'y a aucun problème pour y avoir accès. Alors, le soir, on aura, on va passer d'une exposition à un film documentaire, on peut dire. C'est un film documentaire. Le soir, à 20h, toujours au domaine de l'année, à Villers, autour d'un film qui s'appelle « Les femmes en noir ». Voilà, alors ce film « Les femmes en noir » a été réalisé donc par Philippe Denezel. Alors, alors, lorsqu'on parle des femmes en noir, donc à l'origine, il faut remonter un peu dans le temps. Il faut arriver donc à l'Argentine, à l'époque où l'Argentine était une dictature, et les femmes en noir,
C'était donc les mères de tous les disparus qui, pendant des années et des années, donc tous les samedis, étaient là. Autour de la place de Mai. Voilà, tourner autour de la place de Mai. Voilà, et il a fallu des années et des années. Donc avant que les dossiers ne soient réouverts, qu'il y ait eu des procès et que ces femmes en noir ont eu la possibilité, donc hélas, de savoir qui, voilà, que la personne disparue, qu'elle a souffert, qu'elle a été emprisonnée, qu'elle a été donc tuée donc, par le gouvernement d'extrême droite qui existait à l'époque. Hein. Ouais. Et là, les femmes en noir sont aussi réapparues au moment de la guerre de Yougoslavie, oui, oui. Pour les plus anciens qui se rappellent, dans les plus anciens militants, et donc en Palestine. Il y a aussi ce... Oui, alors, oui. Là, c'est à Lyon. Voilà, hein. Là, c'est là. Situé à Lyon, d'accord. Voilà. Des femmes qui tiennent une veille silencieuse afin de dénoncer la situation des prisonniers politiques palestiniens. Mmh. Hein, ouais. Voilà. Et les multiples violations du droit international. Hein, oui, oui. Donc, Philippe Denezel a filmé régulièrement ces rassemblements. Et a fait tout un film autour de cela et on aura un débat ensuite en sa présence hein, qui suivra la projection. Avec deux femmes en noir qui participent régulièrement donc à ces veilles silencieuses et qui seront là aussi donc, pour apporter leur témoignage et puis donc expliquer donc, pourquoi et comment donc, elles se sont engagées pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Alors on a également une autre exposition qui va se dérouler du vendredi 15 au samedi 30 mars, mais cette fois à Saint-Dié. C'est pour ça que des fois les dates se chevauchent, hein, mais c'est parce qu'on est sur des lieux différents et dans des villes différentes. Là, il s'agit d'une exposition de photos également qui s'appelle « Éclat de vie à Gaza ». Donc c'est à l'espace Georges Sadoul, au 28 quai Sadi Carnot à Saint-Dié. Hein. Alors ça, c'est une exposition aussi qui est formidable. Bon, on n'a que des expositions formidables, c'est terrible, hein, voilà. Alors, pourquoi elle est formidable? Parce que lorsqu'on parle d'éclat de vie à Gaza, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est le terme éclat. Parce qu'on peut le connoter de différentes façons. Bon, je veux dire, on a différents sens possibles. Un éclat, ça peut être l'éclat de bombe, je veux dire, qui va vous déchiqueter. Un éclat, ça peut être un éclat de rire. Ça peut être un éclat de soleil, c'est-à-dire c'est vraiment un terme donc qui est vraiment polysémique. C'est pour ça qu'on l'avait choisi. Alors un des intérêts de cette exposition là, donc c'est une trentaine de photos grand format et ces photos sont véritablement magnifiques. C'est-à-dire lorsqu'on parle de Gaza en général, on parle des opérations militaires, je veux dire qui font des morts, des blessés. On parle du blocus et tout ça. Et là, c'est pas du tout le propos. Le propos justement, c'est de montrer la population de Gaza, de montrer des lieux de Gaza, de montrer des activités de Gaza. Et il y a toute une série de portraits. Il y a des portraits de jeunes, il y a des portraits de vieilles femmes, il y a des portraits d'adolescents. Et là, ce sont 4 ou 5 photographes gazaouis. Et pas des photographes amateurs, il y a une qualité de photo dans certains cas. Moi, je pense en particulier à un portrait de vieux Palestiniens en noir et blanc qui est véritablement magnifique. Donc, si vous voulez vraiment en avoir plein les yeux, et si vous passez par hasard donc à Saint-Dié, allez voir cette exposition. Non, il ne faut pas y passer par hasard, faut y aller. Il faut y aller, voilà. Je reformule. Voilà. Donc, pensez, allez voir cette exposition-là. Ça vaut le déplacement. Elle est vraiment magnifique, magnifique. Hein, c'est-à-dire. Donc, Éclat de vie, c'est à Saint-Dié-des-Vosges, du 15 au 30 mars. Voilà. Et à l'espace Sadoul, c'est ça, L'espace Sadoul, voilà. À Saint-Dié. Aux heures d'ouverture habituelles aussi, voilà, c'est la médiathèque locale. Alors, on va rester à Saint-Dié, parce que le 19 mars, on aura la projection d'un film d'animation, film d'animation de Max Grorud, qui s'appelle « Wardi ». Et ça se déroulera donc également à l'espace Sadoul, donc le 19. Voilà. Oui, oui, ben là, il s'agit d'un dessin animé. Voilà pour le biopic. Voilà. Donc, Wardi, c'est une jeune Palestinienne. Elle vit dans un camp de réfugiés à Beyrouth. Et donc, Sidi, son grand-père, a été chassé de son village en 1948. 1948, c'est ce qui correspond donc à ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe. Donc, son arrière-grand-père a perdu vraiment tout espoir de revoir un jour sa propre terre. Et la question qui est posée par ce dessin animé donc, est la suivante. Donc, comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon à renouer avec ce vieil espoir vieux de 70 ans, c'est-à-dire cet espoir d'arriver enfin donc à une véritable paix juste et durable et donc à la paix pour les Palestiniens et puis pour les Israéliens.
Il y a une véritable richesse hein, du cinéma palestinien. Mmh. Et donc là, c'en est un exemple. On est autour du film d'animation. Hein, voilà. Oui, oui. Je compléterai lorsque, ce que tu as dit, Alain. Lorsqu'on a démarré le festival en 2011, on avait du mal à trouver des films, par exemple. Ouais. Alors que là, la proposition de films palestiniens ou même israéliens, on a des films qui sont faits donc par des Israéliens arabes, donc palestiniens, qui font partie de la minorité en Israël. Et donc, on a vraiment beaucoup de films, c'est-à-dire que le cinéma palestinien s'est véritablement donc développé. Et le rêve, ça serait d'avoir la possibilité, par exemple, en 2020, pour une autre édition du festival, d'avoir effectivement une rétrospective. Parce que là, il y a beaucoup de bons films qu'on aimerait pouvoir de nouveau montrer au public nancéen. Alors justement, il y en aura un. On va revenir sur Nancy, puisque le 22 mars, au Caméo, les auditeurs connaissent sans doute très bien. Alors, lequel des Caméos? Lequel? Alors, normalement, c'est à Commanderie, mais on ne sait pas encore, je crois. Hein. C'était pas encore précisé. Donc, il faudra bien être attentif à regarder les programmes du Caméo pour vendredi 22 mars. Voilà, alors le film s'appelle Sarah et Salem. C'est un film d'après une histoire vraie. Hein. Vas-y, Patrice. Voilà, c'est-à-dire, un intérêt du film, c'est qu'on parle d'une situation donc particulière, une situation amoureuse, pour parler d'une situation plus générale, c'est-à-dire la situation telle qu'elle existe en Palestine. Donc le film est tiré d'une histoire vraie, donc il s'agit d'une liaison adultérine entre une femme juive et un Palestinien. Et donc on essaie d'imaginer déjà les difficultés de cette relation-là, donc dans le cadre du conflit. Et donc cette situation va avoir des conséquences inattendues et dramatiques, et ça va être et toutes les deux personnages vont être emportés par le conflit qui agite les deux communautés de Jérusalem et qui va faire de ces deux amants une cible privilégiée des forces israéliennes de sécurité. C'est-à-dire, on a à la fois donc une réflexion qui est posée dans le film, et en même temps donc on a aussi donc quelques aspects de thriller aussi, donc pour le suspense. Oui, c'est ça. Oui. Les films palestiniens abordent très très souvent les enjeux de la vie, du quotidien, des questions de vie dans la famille, les questions... on n'est pas seulement sur des questions liées au conflit. Alors le conflit est toujours derrière, toujours en toile de fond, mais il aborde beaucoup de questions liées à la vie. Hein, voilà. Alors, après, on va passer à un autre exercice, c'est culturel également, mais on aura un couscous solidaire. Ah, un voilà. Couscous, quand ça? Voilà, un couscous. C'est de la culture. Oui, tout à fait. Le dimanche 24 mars, à partir de midi, et ça sera donc salle Yves Coppens, salle de Marken à Vendeuvre. Voilà, Double culture. Double culture, hein, oui. Dans les assiettes et musicalement. Oui, hein. Et musicalement aussi, parce que donc, ce qui est prévu, évidemment, c'est le couscous solidaire. Donc, on vous invite à vous inscrire à ce repas. Et aussi, lorsqu'on arrivera au café, on aura le plaisir d'écouter quelqu'un qu'on a déjà entendu plusieurs fois à Nancy. Il s'agit donc de Kader Delaoui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un guitariste. Ouais. Et c'est un guitariste virtuose. C'est un guitariste qui est véritablement donc, inspiré. Et sa musique donc, mélange différents genres. C'est-à-dire, c'est avant tout donc, une tonalité arabo-andalouse. Mais on a aussi de la musique classique espagnole. On a du flamenco. On a même, j'avais entendu une fois, des morceaux très classiques de Bach ou d'un autre compositeur du 18e qui étaient joués avec des parties solo dessus qui étaient réorchestrées. Enfin, ça vaut vraiment le coup de le voir. Vous avez une heure de ouais. Pur bonheur dans les oreilles. Quoi. C'est vraiment magnifique. Donc, c'est pour le repas de midi ou le repas du voilà, soir? C'est midi. C'est pour midi, ça. Voilà. Midi. Et il faut s'inscrire. Voilà. Donc, le dimanche 24 mars, voilà. À midi, à la salle Coppens à Vendeuvre, voilà. Il faut s'inscire pour pouvoir participer. Par exemple, en réservant sur fps54 @laposte.net. Ou même un numéro de téléphone. On peut aussi réserver directement au 06... 88 58 31 82. Voilà. Donc, là, il y a une participation de 15 euros. Hein, Répétez le numéro. Ouais, je redonne le numéro, c'est le 06 88 58 31 82. Ou afps54@laposte.net. Ça marche aussi. Voilà. Alors, tout autre chose, le mardi 26 mars, à 20h,
Là, cette fois, on aura une conférence débat autour d'un livre qui s'intitule « Nakba pour la reconnaissance de la tragédie palestinienne en Israël ». Et c'est avec l'auteur qui s'appelle Eleonore Merza Bronstein, qui est une franco-palestinienne, qui vit, franco-israélienne, hein, qui vit en Israël et qui a fait avec son mari, qui anime une ONG qui s'appelle Décoloniseur, et qui a fait tout un travail extraordinaire pour retrouver toutes les anciennes villes palestiniennes qui ont été rasées de la carte à la création d'Israël. Entre autres. Là, le débat va être autour de son livre. Alors, ce qui est intéressant, le titre du livre, c'est donc Nakba pour la reconnaissance de la tragédie palestinienne en Israël. Et la Nakba, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce que les Palestiniens appellent la catastrophe. Donc, c'est 800 000 personnes donc, qui ont dû quitter donc, par la force des armes israéliennes leur foyer, voilà, qui se sont donc. Retrouvés ou à l'intérieur ou à l'extérieur de la Palestine mandataire. Il y en a qu'on a retrouvé par exemple donc en Jordanie ou au Liban, et d'autres donc qui ont été expulsés de leur maison et qui se sont retrouvés donc ailleurs en Cisjordanie. Donc faut savoir que la Nakba, ça, donc c'est 800 000 personnes qui n'ont pas pu rentrer chez elles, des Palestiniens, sur une population à l'époque d'1 200 000 Palestiniens, quoi. Donc ça veut dire les trois quarts de la Palestine mandataire ont été vidés de leur population. C'est ce qu'on appelle du nettoyage ethnique. Alors l'intérêt du livre, bon, ça c'est des choses qu'on connaît assez bien, mais c'est de poser le problème de la Nakba, parce que si on veut arriver donc à une véritable paix donc juste et durable et qui tienne la longueur, donc il faut poser le problème de la Nakba, de la reconnaissance par Israël de ce crime qui a été commis déjà, et aussi donc cette condition donc sine qua non de façon à pouvoir aller dans le sens de la paix. Donc cette conférence, c'est le mardi 26 mars. Oui. Vous n'avez pas dit où C'est à la MJC Pichon. Ah, c'est la MJC Pichon, le 26 voilà, mars, à 20h, une conférence voilà. sur ce que tu viens, Patrice, d'expliquer. Rapidement, j'entends que c'est déjà le générique de fin. Est-ce qu'il y avait deux, trois choses? Oui, parce qu'on va terminer par un final. Alors là, c'est la grosse fête. On appelle ça la Palestine en fête. Le samedi 30 mars, de 18h à 23h, à Tomblaine, à l'espace Jean Jaurès. Alors avec Yves qui va nous initier à la danse d'apké. Oui. Hein, voilà, il y a une initiation d'apké. On aura ensuite une partie musicale avec le trio Bruno Luna Kizik. Luna Plane. On aura également la formation qu'on a entendue tout à l'heure dans la pause musicale. Shems. Et une restauration autour d'un buffet palestinien. Là, c'est pareil, il faut s'inscrire. Donc là, c'est le grand final. Le 30 mars, voilà. S'inscrire pour l'espace Jean Jaurès de Tomblaine. Ouais. Et on s'inscrit au même numéro de téléphone que tout à l'heure. Est-ce qu'il faut en le redonner? Il n'y aura même pas besoin pour la Palestine, en fait. On peut même se déplacer carrément. Et venir sur voilà, place. C'est-à-dire au niveau du repas, de la restauration. Donc tout est prévu, on se débrouille comme ça. Et l'entrée, c'est combien de l'autre 10 euros. Voilà. 5 pour les étudiants et les chômeurs. Voilà, c'est-à-dire, mais en premier, l'atelier d'initiation au DAPKE de 15h30 à 17h30 est gratuit. Tout le monde peut venir, il n'y a aucun problème. Par contre, à partir de 18h, donc, on a le premier groupe en duo, donc Luna Plane, du fanfare, le groupe Shems, et là, donc, c'est l'entrée payante. Donc, donc 10 euros ou 5 euros, tarif plein. Donc, j'invite les auditeurs à réécouter cette émission, à la regarder quand elle sera en podcast. C'est donc du 15 mars au 30 mars, il y a un programme chargé, un programme varié, un programme qui a l'air vraiment alléchant. Et donc, vive le printemps de la Palestine 2019, je veux dire. Et on s'y retrouve. Et on en reparlera après. 10 secondes, oui. On a eu l'occasion de parler ici et au niveau de la FPS d'un livre qui s'appelle « Pourquoi un État juif n'est pas une bonne idée » par une israélienne. Ofra Yeshua Light. Light. C'est comme ça qu'elle a dit. Et j'ai oublié de dire la dernière fois qu'il en restait quelques exemplaires à la librairie L'Autre Rive. Ah. Mm-hmm. Voilà. Et donc, je tenais à remercier la librairie L'Autre Rive et à dire qu'il faut se précipiter ventre à terre pour aller chercher ce livre qui est très intéressant. Et il y a plein d'autres bouquins très intéressants à L'Autre Rive. Le message est passé. Au revoir à tous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. À bientôt.
Au revoir. Merci. RCN, écoutez la différence.
Cause the shit is thick as hell.